Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter notre Rainy qui est notre pièce de pluie à la fois urbaine mais aussi technique. Donc vous allez voir, c'est une pièce qui a quand même quelques particularités. On va commencer par l'extérieur parce que oui, c'est une pièce qui est imperméable, qui est coupe-vent et qui est respirante, mais l'extérieur est complètement en laine, ce qui donne ce côté habillé, ce côté élégant. Et pour la couleur, donc j'avais pas envie d'avoir quelque chose d'anthracite ou de bleu marine parce que c'est les propositions qu'on a déjà. Et donc là j'avais envie d'explorer une couleur qui soit un peu plus originale mais qui reste urbaine et très facile à porter. Donc on a ce fameux vert sapin, mais un vert un peu chiné avec quelques nuances dès qu'on s'approche. Ce tissu, il vient de chez Olmetex, c'est un fournisseur italien qui est très connu, très haut de gamme, spécialisé dans le tissu d'outerwear technique. Olmetex, il est très fort pour proposer des tissus qui ont un aspect extérieur très urbain, très élégant, mais avec une vraie technicité cachée. Et donc c'est toute sa sensibilité italienne qui s'exprime sur le choix de ce coloris. Parce que c'est pas un vert tout plat, c'est un vert vraiment qui a... Visuellement, il y a une richesse que j'ai trouvé hyper intéressante. Mais l'intérêt d'avoir un extérieur 100% laine sur cette pièce n'est pas uniquement stylistique. C'est aussi une matière qui a de vraies propriétés utiles pour un vêtement d'extérieur. Notamment, elle a une déperlance naturelle, elle a des propriétés coupe-vent, et aussi, elle garde mieux la chaleur qu'un tissu synthétique plus classique. Et pour rendre cette laine vraiment imperméable, en fait, en dessous, il y a une membrane qui est collée à ce tissu. C'est elle qui va vraiment empêcher la pluie de rentrer, qui va rendre ce vêtement vraiment résistant face à la pluie. C'est un tissu qui est donc composé de deux couches, l'extérieur en laine et la membrane. Et c'est ce qui en fait, à mon sens, un tissu qui est parfaitement adapté à un usage urbain quand il fait froid ou en automne ou quand il pleut. On a donc à la fois cette élégance de la laine, ce plaisir au toucher, et on a aussi cette imperméabilité qu'apporte la membrane. Et le petit bonus, qui d'ailleurs pas un petit bonus mais plutôt un gros bonus, c'est que c'est un tissu qui est complètement PFC free. Ça veut dire qu'il n'y a pas de substances dangereuses pour l'environnement qui sont appliquées dessus pour assurer sa déperlance. Mais cette parka, ce n'est pas simplement ce tissu. Il y a aussi des finitions pour vous rendre la vie plus pratique. Donc la première, la plus évidente, c'est que la capuche en fait est amovible. Donc cette capuche, vous pouvez aussi la ranger dans la poche intérieure qui est prévue à cet effet. Toujours du côté des poches, vous avez donc deux poches intérieures qui sont complètement zippées. Parfait pour garder vos effets personnels en toute sécurité. C'est une finition qui est importante pour moi. Quant aux poches extérieures, elles sont doublées en polaire pour avoir vos mains bien au chaud quand il y a du vent. Alors justement, en parlant de vent, si jamais il y a beaucoup de vent et que vous voulez vous protéger la gorge, vous pouvez remonter le col et utiliser la petite patte de serge en dessous pour garder le col relevé bien en place et donc éviter d'avoir une petite brise qui vienne caresser votre gorge. Pour assurer une bonne respirabilité, on a également ajouté des œillets d'aération au niveau des aisselles. Et si vous êtes sous une grosse averse, vous pouvez également resserrer les poignets grâce à un système sans velcro pour éviter d'avoir plein de petites poussières qui s'accrochent dedans. Et sans avoir le bruit du scratch. Là, c'est plus doux, on va dire. Et pour être sûr d'avoir une bonne imperméabilité, on a rajouté des coutures soudées sur ce vêtement. C'est-à-dire que sur chaque couture, en fait, à l'intérieur, vous avez une bande adhésive qui va empêcher l'eau de rentrer par les petits trous faits lors de la couture. Ça permet d'avoir une très bonne imperméabilité. C'est le genre de finition qu'on retrouve sur des vêtements de pluie haut de gamme outdoor. En résumé, sur Raincoat, c'est un tissu technique de l'italien Olmetex composé de deux couches, un extérieur 100% laine, PFC free et une membrane en dessous imperméable et respirante. C'est une capuche amovible, une capuche qu'on peut ranger dans une poche intérieure prévue à cet effet. C'est une patte qu'on peut attacher sous le col pour maintenir le col relevé quand il y a beaucoup de vent. Ce sont deux poches intérieures zippées pour sécuriser vos effets. Ce sont deux poches extérieures doublées en polaire pour garder vos mains au chaud. Ce sont deux poignées qu'on peut resserrer grâce à un système sans velcro. Et c'est un double zip pour pouvoir ouvrir facilement la pièce quand vous faites du vélo ou quand vous êtes assis. Voilà, vous savez tout sur votre pièce de pluie qu'on a voulu à la fois élégante, urbaine, polyvalente, imperméable, respirante et finalement technique.